Donc, c'est un sarcophage romain du 3e siècle après Jésus-Christ. Il aurait retenu les restes d'un jeune homme de 18 ans, selon la traduction. Alors, je m'appelle Elisabeth Atlan, je suis préparatrice en pharmacie et je suis passionnée par l'histoire et par mon village de Saint-Césaire. Nous sommes devant l'église du village, bâtie au 13e siècle, sur déjà une bâtisse qui aurait été bâtie déjà au 9e siècle. Alors, on va rentrer voir le sarcophage, si vous voulez. Il célébrait son mariage à Fréjus. Il perdit la vie ce même jour. Il vécut 18 ans. Il a été trouvé dans le vallon des vallons au-dessus de Saint-Césaire et il a servi d'abreuvoir au niveau du quartier appelé Les Plans. Ici, j'aime beaucoup la chapelle. On est au calme. C'est presque la première chose de palpable qu'on ait eue sur le village qui remonte au plus ancien dans le village. Quoi. Il ne serait pas impossible, effectivement, comme c'était l'église du village au Moyen-Âge, que le premier village de Saint-Césaire se soit développé autour de cette église.